Bonjour à tous, donc on va commencer. Donc je vais vous présenter le développement d'un driver donc pour contrôleur Ethernet gigabit d'Intel donc 1000. On va entamer. Allô. Donc contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser, on va parler assez peu de réseau au final, donc on va s'intéresser en fait surtout à la partie qui est communication avec le contrôleur elle-même. Et donc en gros le but du contrôleur, pour résumer, c'est on va prendre une série d'octets et les mettre sur un fil où on va récupérer ce qui arrive du fil et en faire une série d'octets. Donc globalement il n'y a aucun traitement compliqué côté réseau. On va entamer. Donc pourquoi j'ai fait ça déjà et à quel niveau on se situe. Donc j'ai fait ça parce que je travaille donc sur le kernel STOS du LSE, donc un kernel jouet, un kernel modulaire sur lequel on fait plusieurs développements pour s'entraîner sur du système quoi. Et donc il se trouve que ce kernel n'avait pas de stack réseau et que je me suis lancé dans le développement de la stack réseau entière. En commençant d'abord par le plus bas niveau, c'est-à-dire fournir un driver pour une carte Ethernet, et j'ai choisi celle-là. Comment ça se passe quand on veut développer une stack réseau pour un kernel? En fait, on va vouloir fournir donc toutes les couches les plus basses à partir du transport, c'est-à-dire en fait. Enfin, le but final, ce sera de fournir tous les syscalls qui sont en rapport avec le réseau, donc tout ce qui est socket, listen, connect et ce genre de choses, pour pouvoir, pour que ce soit utilisé par les applications au niveau plus haut. Et voilà. Au niveau du kernel, on a juste à gérer tout ce qui est les couches liens, réseau et transport. Donc, on va t'amener direct avec le PCI. Donc, la carte que j'ai choisie, en l'occurrence, communique en PCI. Donc, on va surtout parler de ça, en fait. Donc, le PCI, c'est quoi? C'est un bus de communication entre un ensemble de périphériques et le système même. Il est organisé, en fait, de manière hiérarchique, c'est-à-dire qu'on a, en fait, on n'a pas un bus, on a un ensemble de bus PCI sur lequel on a un ensemble de devices qui eux-mêmes peuvent être soit fournir une seule fonction, soit être multifonction. Pour chacune de ces fonctions, avoir des registres de configuration. Et ça s'arrête là. Pour prendre le cas de la carte Ethernet qu'on étudie, pour lequel j'ai fourni un driver, donc c'est une carte qui dispose d'une seule fonctionnalité, donc on n'a pas à s'embêter avec ça. Pour récupérer en fait des informations sur un device PCI, on va reposer en fait sur, enfin c'est le la partie qui gère le PCI dans le kernel, qui va s'occuper de scanner donc tous les bus PCI à la recherche de tous les périphériques connectés. Il y a plusieurs méthodes. En général, c'est du brute force sur tous les bus et vérifier si tous les devices qu'on a pour lesquels on a les drivers, s'ils existent ou pas. Donc c'est assez débile. Chaque device va être identifié par principalement donc deux numéros qui sont les vendeurs ID, enfin le couple des deux numéros qui sont le vendeur ID et le device ID. Donc le vendeur ID, ça va identifier un fabricant de matériel précis. Donc par exemple, pour le cas qui nous intéresse ici, c'est Intel. Donc le numéro, c'est 8086. Yeah. GG les mecs. Après, on va avoir le numéro du device précisément. En l'occurrence, il y en a plusieurs pour tout ce qui est pour l'ensemble des contrôleurs gigabit d'Intel. Et il y en a un, donc 100E. Comme 1000, bref. Ensuite, une fois qu'on a localisé notre device, enfin que le kernel a localisé notre device, donc il va fournir en fait au driver l'ensemble la device structure qui est en fait qui contient un ensemble d'informations qui va être utile, qui vont être utilisées par le driver pour accéder au matériel directement.
Donc on va récupérer plusieurs diverses informations et donc notamment un command register qui va servir en fait à modifier certains paramètres de l'appareil vis-à-vis du bus PCI. Donc bus master, on va voir ça tout de suite après, mais par exemple, donc ça peut être contrôler les accès aux différents espaces d'adressage. Donc ça peut être la mémoire ou les IO boards par exemple, et on peut par exemple désactiver spécifiquement des interruptions d'un équipement, enfin d'un device précis sur le bus. Et enfin, donc le plus important, en fait, on va récupérer donc ce qui s'appelle les bars, c'est-à-dire c'est des registres. Il y en a en fait par device, il y en a 6, et en fait c'est des adresses que va donner, que va fournir le device au kernel et donc au driver, pour lui dire à quel endroit à quel endroit on va avoir ces adresses pour communiquer directement avec le matériel, donc pour le configurer et pour échanger des informations avec lui directement. Donc il y a deux types d'adresses qui correspondent aux deux types d'entrée-sortie qu'on peut faire avec un matériel, qui sont donc par les IO ports, donc avec les instructions spécialisées en x86, donc out et in, et donc avec des numéros spéciaux. Donc cette méthode est obsolète maintenant, et elle continue à être fournie, mais les fabricants de matériel essaient surtout de fournir des échanges d'informations en espace d'adressage mémoire directement, donc ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire donc tout ce qui est entrée-sortie mappée en mémoire, donc c'est-à-dire avoir en fait avoir en mémoire un bloc, donc du point de vue du logiciel, en fait, pouvoir accéder au matériel, donc à un ensemble de registres, par exemple, ou à une mémoire qui est sur le matériel directement, comme si on faisait un accès mémoire standard. Donc, après, il y a deux trois variables à ajuster dans le kernel, par exemple pour parce que les adresses qui vont nous être envoyées sont des adresses donc physiques, et donc il va falloir faire la correspondance entre, enfin, va falloir après mapper ces adresses physiques dans l'espace virtuel pour pouvoir y accéder. Tout ce qui est dans la mémoire et les échanges d'informations avec le device. Un autre point important, c'est tout ce qui est DMA, donc c'est la Direct Memory Access, donc c'est-à-dire pouvoir faire des échanges d'informations avec un device ou avec une mémoire sans passer par le CPU et sans que le CPU ait à faire des choses actives. Et donc, ce qui est une autre petite partie intéressante de DMA, c'est qu'il permet au device d'initier des requêtes mémoire de lui-même sans passer par le système, enfin le CPU directement, ou que ce soit le CPU qui initie la demande. Donc ce que j'avais évoqué donc dans la structure device de PCI, donc qui était le bit master dans commande, en fait c'est un bit qui va permettre de définir si un device est master du bus ou pas, et en fait si donc par défaut ils le sont pas, et donc si on dit que ce device peut être master du bus, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des accès DMA de lui-même, sans que la requête soit initiée depuis le CPU en fait. Donc c'est important à activer. J'avais un bug par rapport à ça parce que j'ai oublié de l'activer et je comprenais pas pourquoi il n'y avait rien qui marchait. C'est triste. Bon, et donc une dernière méthode pour échanger des informations, enfin des messages, on va dire, entre le matériel et le système. Donc c'est tout ce qui est interruption PCI. Donc la norme PCI conventionnelle, donc il y a quatre numéros d'interruption, donc qui vont être partagés par l'ensemble des équipements qui sont connectés en PCI, et donc après c'est au kernel de différencier, s'organiser avec les devices, donc pour différencier d'où vient, si une interruption survient sur une ligne précise du PCI, à quel device
l'interruption va. Donc ça peut être soit appeler tous les handlers d'interruption de tous les drivers qui correspondent à cette line, ou faire des choses plus intelligentes. Voilà, donc maintenant qu'on a un peu vu tout ce qui était PCI, donc on va passer directement, on va passer à l'application au contrôleur, au contrôleur 1000. Allô. Donc pourquoi j'ai choisi déjà ce contrôleur là, donc c'est un contrôleur d'Intel qui fait du gigabit et qui a une relativement bonne documentation, enfin comme les devices Intel, il a une documentation en tout cas, il y a 2-3 points sur lesquels elle pourrait être perfectionnée, mais bref. Donc il a pas mal aussi pas mal de features donc qui permettent en fait de soulager disons la tâche du programmeur de driver. Donc ça peut être tout ce qui est l'auto-négociation de liens, donc c'est-à-dire qu'on va pas avoir à configurer lien, c'est-à-dire on va lui dire, une fois qu'on va activer le device, il va automatiquement configurer le lien, la distance, si c'est half duplex, full duplex, la vitesse, etc. Ça, on a vraiment rien à faire, c'est génial. Il va permettre, donc ça va... Ceux qui respectent, enfin qui admirent le modèle OSI vont être un peu choqués, mais il permet par exemple de filtrer au niveau adresse IP, c'est-à-dire qu'on va lui dire moi mon adresse c'est celle-là et tout ce qui va pas à moi tu dégages. Pareil, il va pouvoir faire le checksum IP directement avant que le driver reçoive les paquets. Voilà, il y a aussi tout un tas de routines pour essayer de limiter donc les interruptions, parce que quand on reçoit un paquet, donc quand le contrôleur reçoit un paquet, globalement il va faire une interruption au CPU et dire hey, j'ai un paquet, viens le chercher. Et donc s'il fait ça pour chaque paquet à la vitesse du gigabit, c'est bon, on va crouler sous les paquets quoi, sous les interruptions. Et donc il y a un certain nombre de limites pour essayer de pas flouder le processeur quoi. Et donc il y a un typique donc c'est par rapport à une histoire en fait qui est apparue il y a une semaine, je sais pas si vous avez vu, c'est l'histoire du packet of the death donc qui est en fait un bug qui est survenu sur un certain modèle de contrôleur gigabit E1000 justement et donc en fait qui faisait que dans une situation totalement biscornu, c'est-à-dire le premier paquet d'une certaine taille qui avait à tel offset, je ne sais plus quel byte, si ce paquet était reçu, alors le contrôleur mourrait totalement. Donc ça montre aussi un peu toute la complexité de ce contrôleur au final. Alors bon, pour l'histoire, en fait, c'est pas vraiment vrai. Intel a publié un démenti après en disant que c'était le fabricant de la carte qui avait une version de son firmware qui était corrompue. Bref. Enfin bon, ça montre un peu ce qui peut se passer de complètement aberrant à ce niveau-là. Et donc aussi un truc bien. Donc il y a un chapitre entier du man Intel de cette carte qui est réservé à comment faire blinker les LED. Donc on peut vraiment totalement configurer, mais ah c'est génial. Bref. Enfin, moi, je le fais en émulation, donc je peux pas en profiter, mais j'essaierai peut-être de faire une guirlande de Noël avec ça, mon truc. Bref, donc comment on va configurer notre device? Donc, ce que j'avais parlé, donc les bases adresses registers, là, les barres de tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que le device va dire, enfin, c'est précisé en fait dans le manuel de l'équipement que à cette barre-là, il va y avoir donc dans le cas qui nous intéresse, une liste de registres de confirmation. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait un bout de mémoire qui va être dédié en fait à la configuration de la carte. Il y a peut-être une centaine de registres, c'est-à-dire de mots mémoire en fait qui vont servir à configurer des trucs. Donc gros, ça peut être configurer l'adresse MAC, configurer les modes de transmission, faire les checksum IP, configurer les LED, etc. Voilà.
Tac. Donc après, bon, comment on va initialiser le contrôleur? Donc il y a toute une méthode qui est très bien décrite. Donc on va choisir les modes de transmission, etc. On peut imposer une MAC, une adresse MAC au contrôleur éventuellement. Etc. Et donc après, on va pouvoir, sur le contrôleur, il y a aussi connecté donc une EPROM, donc qui va contenir certaines informations qu'on a envie de récupérer. Par exemple, l'adresse MAC. Il y a quasiment que ça en fait qu'on a envie de récupérer. Et donc soit on peut imposer une adresse MAC et dans ce cas-là, on s'en fiche de lire l'EPROM, soit on va vouloir prendre celle qui est attribuée au matériel. Et là, c'est relativement le bordel. C'est-à-dire, en fait, il y a une super méthode qui a été faite pour certaines cartes, qui consiste à juste écrire l'adresse de l'EPROM dans un registre et on va lire la valeur dans un autre. Voilà, c'est super. Sauf que ça marche pas sur toutes les cartes. Et donc, il y a des cartes qui demandent d'utiliser l'ancienne méthode, enfin celle qui était obligatoire sur les cartes à 100 mégabits en fast Ethernet. Et donc qui consiste en fait à aller écrire sur chaque pad de l'EPROM à la main l'adresse et à aller récupérer comme ça en attendant un temps particulier pour laisser au matériel le temps de le faire. Et donc c'est atroce à faire et c'est assez peu documenté dans le MAN lui-même. La documentation elle-même. Et donc un dernier point important de l'initialisation, donc comme on va envoyer et recevoir des paquets, va falloir réserver des endroits en mémoire où stocker les données. Et donc on va réserver autant qu'on veut, enfin pas autant qu'on veut, mais on va dire une centaine de buffers qui vont être dédiés à l'envoi ou la réception des paquets. Et donc là c'est pour cette mémoire qu'il est important d'avoir d'autoriser la DMA du device, par exemple, puisque la carte va aller chercher en mémoire directement le contenu du paquet pour le mettre sur le fil, quoi. Voilà. Donc, comment ça se passe après l'envoi directement? Donc, une fois qu'on a alloué notre ensemble de buffers, donc on va les mettre en fait dans une zone mémoire où il y a une série de descripteurs, donc il y a donc organisés sous forme de ring, enfin de d'anneaux, quoi. Donc c'est un anneau de descripteur, et donc il y en a un pour l'envoi et un pour la réception. Et donc en gros, bah il y a deux pointeurs qui vont être l'un qui va être déplacé par le driver et l'autre par le matériel. Et donc globalement, si on prend l'exemple de la transmission, donc nous on va écrire notre RAM dans un des buffers, et ensuite on va incrémenter notre pointeur, donc en l'occurrence le tail, et derrière en fait le matériel va regarder ce qu'il peut envoyer et lui avancer donc son pointeur qui est la tête. Voilà, donc globalement c'est assez trivial à faire. Après il y a des trucs assez intéressants. Donc si on arrive à remplir tout ça et arriver jusqu'à la tête, par exemple, on peut pas juste checker savoir si on est arrivé à la tête, parce que si on lit la valeur de la tête, ils disent que c'est pas fiable. Donc on est super bien aidé. Donc en gros faut trixer en demandant à avoir le statut des paquets qui sont envoyés. Enfin bon, c'est un détail. Voilà, et donc pour la réception, en gros, c'est la même chose, donc avec tête et queue qui sont envoyés, donc avec la carte qui va envoyer de temps en temps une interruption pour dire youhou, j'ai des paquets, et donc nous on va aller lire on va regarder où est notre pointeur de queue et aller lire les paquets qui sont arrivés. Voilà. Donc ensuite, dans mon driver à moi, en gros, j'ai encore tout ce qui est la gestion des interruptions à régler pour faire la réception des paquets, la transmission marche maintenant. Une fois que le driver même sera fini, je pourrai passer à tout ce qui est la partie qui est indépendante du matériel et donc qui va être la même pour toutes les cartes. Commencer à continuer sur toutes les couches, donc après lien, transport et réseau. Non, réseau, transport. Ouais.
Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, pour la petite histoire, c'est un schéma qui d'ouverture de doc pour dire ça, c'est la configuration interne de notre carte, genre d'entrée de jeu comme ça. Bonne chance. Mais en fait, en vrai, donc ça peut paraître un peu compliqué, mais en vrai, on a tout évoqué. Donc il y a le PCI à gauche qui communique donc avec la DMA. Là, on a éventuellement nos buffers de paquets. Donc après, ça sur le lien. Donc c'est tout simple. Si on enlève un peu le bruit un peu partout. Voilà. Bon bah merci à vous. Bon appétit.